On m'a dit de rester debout hein, pour accueillir nos prochains invités en musique. Bonsoir, bienvenue. C'est là que ça se passe. On vous a mis un petit morceau des Beatles. Ouais, sympa. Voilà. All you need is love. C'est très bien. L'amour, la réconciliation entre les peuples, voilà. C'est très bien. Avec vous, nous allons parler de la quinzaine du Centre culturel européen, une quinzaine qui est plutôt un mois hein, maintenant, ça s'étale dans le temps. C'est une manifestation habituelle hein, du Centre culturel européen. L'an passé, c'était le Portugal, si je me souviens bien. Et cette fois, c'est les îles britanniques. Alors, elles sont plus de 6000, donc il y a beaucoup de choses à dire. Et le programme est à l'avenant, il est aussi riche. D'abord, Élise Canson, vous qui avez coordonné ce programme, pourquoi avoir décidé d'aller voir nos amis britanniques cette année? Alors cette année, les îles Britanniques, pourquoi? Parce que c'est les voisins d'en face, qu'on a beaucoup d'idées reçues peut-être à leur égard et qu'il y a beaucoup justement de clichés peut-être à faire tomber. Mmh. Vous le savez sans doute, le Centre culturel européen, tous les ans on change de pays, ouais, pour la quinzaine, qui est maintenant un festival quinzaine. Et l'an dernier le Portugal, l'année d'avant la Pologne. Là on a voulu repartir sur l'autre côté de la Manche. Et là, on découvre qu'il y a 6000 îles. Ça, c'est assez impressionnant, parce qu'on voyait bien le Royaume-Uni, les quelques 6000 îles en tout, quoi. Voilà. Et donc, nous avons la chance d'avoir monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne avec nous sur le plateau. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que les relations entre l'Angleterre et la France ont toujours été un peu compliquées. On parle souvent du couple franco-allemand, un peu moins d'un couple franco-anglais. Parce que c'est un peu « je t'aime moi non plus » entre nos deux pays, non? Oh, ça a toujours été un peu l'affection. C'est comme un couple. Voilà. Il y a des moments de difficulté, mais il y a beaucoup d'affection aussi. Vous voyez, l'année dernière, le jubilé de la reine, l'affection qu'on avait pour la reine en France, c'était patente. Comme le mariage aussi du prince avec Kate Middleton, voilà, c'était très exactement suivi. Exactement. Il y a beaucoup d'affection dans les relations. Alors, comme l'a dit Élise, c'est vrai que des deux côtés de la Manche, on a des clichés. Alors, est-ce qu'ils ont toujours la peau dure, ces clichés-là? Vous, en tant qu'ambassadeur, vous le constatez? Est-ce qu'en France, on a toujours des idées reçues sur les Anglais et, oui, je ne sais pas si vous avez vu l'Astérix au service de Sa Majesté. Mais non, c'était plein, de, plein des stéréotypes. Amusant, bon enfant quand même, mais il y a des stéréotypes, bien sûr. Et la réalité est différente. Et je pense que cette exposition, qui est passionnante, et félicitations aux organisateurs, vont montrer un peu la diversité, la créativité, l'innovation qui existe outre-Manche. Alors justement, vous allez inaugurer les expositions hein, qui font partie de cette quinzaine à Cosmopolis. On va retrouver pas mal d'artistes, alors à la fois des artistes qui viennent justement de ces îles britanniques, mais aussi des expatriés, en quelque sorte, des Nantais d'origine britannique. C'est le cas de Gatley, hein, notamment, qui est une Irlandaise. Voilà, de Siobhan Gatley. J'ai pas essayé, moi, le prénom. Hein. Dans le livre, il dit très bien. C'est irlandais, hein, c'est ça. Ouais. Voilà, qui habite à Trentemoux, qui est une artiste plasticienne qui fait des sculptures et des illustrations, qui expose beaucoup dans la région également. On a également Gavin Pryke, qui lui est anglais, qui est de Ipswich, et qui est illustrateur et caricaturiste, et qui habite à Nantes maintenant. Ben là, justement, on voit les images du travail de Gatley, hein, de cette Irlandaise installée à Trentemoux, qui a bien de la chance d'avoir un bel atelier là-bas. Est-ce que aussi cette exposition, c'est pour vous l'occasion de se rendre compte de ces, justement, qu'à Nantes, on en a beaucoup, des Anglais, des Irlandais qui sont installés, et de les faire travailler aussi autour de cette exposition et de cette quinzaine? C'est sûr, il y a toute une communauté anglaise, galloise, écossaise, irlandaise à Nantes. Ça représente vraiment beaucoup de personnes. Toi qui es prof d'anglais, tu vois. Autour d'un club, on va dire, d'anglophones qui s'appelle Knowing Nantes, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a vraiment toute une communauté et de plein de pays différents, c'est ça qui est intéressant, hein, vraiment beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous avez rencontré ces gens de Knowing Nantes, mais il y a vraiment... Non, mais là, c'est extraordinaire pour moi comment les relations entre les deux pays vont beaucoup plus large que les gouvernements. Oui. Ce sont les contacts humains, personnels, oui, artistiques, culturels, gastronomiques, sportifs, qui auront lieu tous les jours. Et là, les ambassades, les gouvernements n'ont pour rien. Nous avons certains sujets ensemble, mais ce sont les contacts humains entre les régions, les grandes villes comme Nantes et la Grande-Bretagne, qui sont beaucoup plus importants, finalement, dans les relations entre les peuples. Et c'est très riche.
C'est pour ça aussi qu'il va y avoir beaucoup d'expositions de photos aussi. Il y a des artistes comme M. Coutin, c'est ça, qui va nous montrer un peu l'Irlande et nous démontrer que ce n'est pas tous peut-être des roues qui boivent de la Guinness, quoi. C'est un peu ça l'idée de ce genre de clichés qu'il faut combattre. Voilà, voilà exactement. On accueille aussi la très belle exposition de Kevin McSherry, qui est irlandais. Donc toujours à l'espace Cosmopolis jusqu'au 21 mars, qui est une exposition de peinture très originale, très décalée, avec un regard vraiment en particulier et très drôle en fait sur les Irlandais. Je pense notamment à une peinture qui s'appelle Nos braves Irlandais, qui représente un soldat irlandais sur la tête. Voilà, c'est ce genre de décalage qu'on apprécie beaucoup. Oui, c'est ça. Beaucoup. On voit justement aussi quelques images des expositions qui sont déjà accrochées à Cosmopolis, avec un style assez proche de Hooper, hein, on pourrait dire, non? On nous en a fait la remarque. Pour McSherry, ouais, c'est vrai que c'est assez proche de ça. Alors, vous profitez en plus, j'imagine, du 17 mars, hein, puisque le 17 mars, c'est la fameuse Saint-Patrick. Il va y avoir beaucoup de choses autour de cet événement-là aussi. Ah oui, bah pour nous, c'est une journée, c'est la journée Irish du festival, avec en matinée un atelier de création d'objets avec justement Chevron Gately. autour de ceux qui ont pu apprécier son expo auront l'occasion de créer des petits objets dans le même genre. De reproduire un peu son style. Voilà, exactement. Dans l'après-midi, un concert de harpe avec Lena Lenzen, donc de la harpe celtique, de la harpe troubadour et de la harpe classique. Dans l'après-midi, à 18h, une conférence sur les idées reçues sur l'Irlande, voilà, avec Jean Guiffant, voilà. qui est également l'auteur d'un excellent bouquin sur l'histoire de l'anglophobie en France. D'accord. Je précise parce qu'il n'est pas très connu, ce bouquin. Très ça intéressant. N'existe pas, ça, l'anglophobie. Le sous-titre, c'est « De Jeanne d'Arc jusqu'à la vache folle ». C'est, oui, c'est voilà, Jean Guiffant a beaucoup de cordes à son arc. C'est un Nantais aussi, il faut le dire. Voilà, qui s'intéresse à l'Irlande. Est-ce que, avec toutes ces îles britanniques dont vous allez parler pendant le festival, vous avez réussi à trouver une cohérence? Parce que quand on parle d'Irlande, quand on parle de Royaume-Uni, on parle pas toujours de la même chose. Il y a quand même une culture commune entre toutes ces îles britanniques, ou pas? Mais il y a deux pays d'abord. Oui, c'est ça. Il y a le pays de l'Irlande, l'Irlande du Sud, et le pays du Royaume-Uni, hein, qui a une partie de l'Irlande aussi, l'Irlande du Nord. Et pour le Royaume-Uni, il y a la reine, la famille royale, les traditions, l'histoire partagée, aussi de la diversité, parce que l'Écosse, maintenant, il y a certains gens à l'Écosse qui cherchent leur indépendance. Mm-hmm. On va avoir un référendum l'année prochaine. Le pays de Galles est très indépendant, autonome dans beaucoup de secteurs. Mais il y a quand même une loyauté, une sens d'identité au Royaume-Uni. L'Irlande, c'est un pays différent, mais avec des relations très, très rapprochées maintenant avec le Royaume-Uni, avec la paix en Irlande du Nord depuis 5 ou 10 ans. C'est un événement très important pour l'Europe. Mmh. Alors, il y a la diversité, mais pour le Royaume-Uni aussi, un fondamental quand même de loyauté et d'identité partagée. C'est un peu compliqué. Oui, hein, c'est un peu compliqué. C'est intéressant parce qu'il y a une vraie unité et qui se fait vraiment autour de la reine quand même. Hein. Il y a un élément très important d'identité commune et en même temps, il y a des identités très différentes. Il ne faut pas dire à un Écossais qu'il est anglais. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Même chose affaire. Pour un Gallois, etc. Mais en même et vous temps... Vous venez d'où, monsieur l'ambassadeur, alors? Je viens de l'Angleterre, des Midlands de l'Angleterre. Ouais. Mais il ne faut pas m'appeler l'ambassadeur d'Angleterre. Non, justement. Pas du tout le cas. Et dans le rugby ou le football, alors les différences entre les nations, les pays sont évidents. Ouais. Mais pour la reine, par exemple, oui, d'autres symboles de nationalité, on est tout à fait unis. Voilà, c'est très compliqué. Mais l'Irlande reste séparée, mais un ami très proche de voilà, la Royaume-Uni. C'est ça. On vit en bonne intelligence. L'Irlande, depuis son indépendance en 1921, a vraiment, au début, ils ont tout fait pour marquer leurs différences, mais depuis 60-70 ans, les choses se passent vraiment bien. Enfin, on entend souvent des questions des gens sur quels sont les rapports, et en particulier depuis les accords du Vendredi Saint, 98. Voilà. Et on sent le prof d'anglais hein, chez vous. Oui, hein, ouais, mais c'est passionnant tout ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Et toutes ces nations, avec la Bretagne, la France, le Grand Ouest de la France, il y a toujours eu des connexions traditionnelles, historiques, marins,
Oui, c'est aussi pour ça que ça avait du sens que Nantes se tourne vers ses voisins britanniques. Excellent. Avec voilà, des choses assez décalées, comme on l'a vu sur les expositions de photos. Mais il va y avoir aussi des rendez-vous littéraires, des rendez-vous cinématographiques. On va voir la culture britannique sous tous les angles. Voilà, culinaire aussi. Culinaire aussi. On accueille un tea room anglais tenu par le Centre culturel franco-britannique et l'association France-Grande-Bretagne à Cosmopolis, là jusqu'au 21, tous les après-midi, donc avec des scones, avec des cup of tea, avec... Ça, c'est pas un cliché, alors, le tea time britannique. Ah, non. Bah non. Ah oui, c'est un bon cliché, alors. Goûter le tea time, ça existe. Ça n'existe pas trop en Angleterre, maintenant, mais dans l'imagination des gens, tea time est toujours là. Oui. Ouais. Personne n'a le temps de prendre le thé à 5 heures. À 5 heures, oui, tout le monde travaille. Hein. Maintenant, il y a trop de choses à faire. Mais c'est une belle tradition qu'il faut aller goûter. Voilà, il n'y a pas que des scones, il y a des gâteaux qu'on ne connaît pas forcément, nous, ici, en France. Oui, voilà, des trucs un peu moins connus que les muffins, ouais, c'est tout ça. Bien. Et je crois aussi que pour les amateurs de friture, il y aura une roulade de fish and chips, c'est ça? On attend. Ah. Voilà, sous réserve. Encore. Sous réserve, encore, ce serait... incontournable, le fish and chips, pour la gastronomie britannique. La gastronomie. Ça, c'est vrai aussi, ouais. Hein. Quand on va là-bas, on s'en rend bien compte qu'à tous les coins de rue, si il y en a. Si on peut trouver un fish and chips de bonne qualité, oui, aussi. Toujours... Oui, ça dépend. Facile, il y en a pas pour tous les goûts. Alors vous, Eric, vous êtes professeur de... Je ne m'aventure pas non plus à prononcer votre nom, mais c'est Falkert-Poirot. Falkert-Poirot. Oui, c'est un bon mélange aussi. Oui, c'est ça. Vous êtes professeur d'anglais à l'école polytechnique de Nantes et vous êtes aussi un expert des Beatles. Alors on vous a accueilli sur la musique des Beatles, parce qu'il y a la reine qui fédère tout le monde, mais il y a peut-être aussi les Beatles qui fédèrent tous les Britanniques. Alors vous êtes votre passion pour les Beatles, c'est ça qui vous a poussé à devenir prof d'anglais? Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est un peu un cliché encore. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai découvert les Beatles à 13 ans et c'était assez évident à 15 ans que je voulais être prof d'anglais et à cause des Beatles. Ouais. Après, je me suis intéressé à l'Irlande qui est devenue un petit peu une partie de mon métier aussi. Je fais ma recherche sur l'Irlande. Et puis, j'y suis revenu en écrivant un bouquin sur les Beatles il y a 2 ans, là, sur les idées reçues, justement. Ah voilà, justement, parce que là, il y a 15 idées reçues sur les Beatles. C'était paru aux éditions du Cavalier Bleu. Et donc, vous avez donné une conférence à Cosmopolis le 21 mars. Sur ce thème des idées reçues sur les Beatles. Alors qu'est-ce qu'on a comme idées reçues sur les Beatles à part qu'ils étaient... Le plus connu, c'est les vrais rebelles, c'était les Rolling Stones. Ouais. Les Beatles, c'était des gentils garçons. Et ça, c'est pas vrai. Ben, on oublie qu'ils ont fait leur classe en quelque sorte en jouant dans des bordels et des clubs de striptease à Hambourg. Voilà. On raconte que, enfin, les gens disent que c'est de la musique simplette. Voilà. Oui. Alors qu'en fait, c'est extrêmement complexe sous une surface assez simple. Mais si on analyse, c'est passionnant. D'autres, je ne sais pas, c'est les plus grandes vendeurs de disques. Ou c'est ça, ce n'est pas vrai non plus. Il y a Michael Jackson qui est peut-être avoué. Non, c'est difficile à dire. Enfin, on ne peut pas résumer en 2 minutes. Mais ils sont les seuls au Guinness Book of Records à considérer comme. Mais entre Elvis, Michael Jackson et eux, bon, c'est sans doute les plus grands vendeurs. Mais c'est des querelles de chiffres. Finalement pas très intéressante. Est-ce que c'est Yoko Ono qui a fait que les Beatles se sont séparés? Est-ce que le meilleur album, c'est vraiment Sgt. Pepper's? Voilà, il y en a plein. Quoi votre avis à vous? C'est quoi le meilleur album des Beatles? C'est le plus abouti, c'est le plus travaillé. Sgt. Pepper's 67, enfin c'est un monument. Personnellement, je préfère le double album blanc, mais bon, après... Parce que le double album blanc, il y a tellement de sortes de musique, ça va de la symphonie à l'avant-gardiste, en passant par le hard rock, en passant par du country, par du rock pur, back in the USSR, il y a du hard rock, Helter Skelter, etc. Il y a de tout dans cet album blanc. Alors justement, on va écouter quand même un petit peu des Beatles à nouveau. Je vous propose d'écouter Hard Day's Night, si je le dis bien, c'est ça? Vous avez le droit de danser si vous voulez. Hein. Bougez un petit peu. Voilà. Ça, c'est un exemple typique. Voilà. Ouais. L'accord, le premier accord. Voilà. Les musicologues se disputent encore pour savoir comment ils ont joué ça. Et comme quand on leur demande, enfin ceux qui sont encore vivants, ils ne se rappellent pas. Voilà, il y a eu des paragraphes, voire des chapitres entiers écrits sur juste cette note-là. Ouais. Comment ils ont fait ça, quoi. Et est-ce que vous servez des Beatles pour avec vos élèves par exemple? Oui, un peu. Oui, mais si, c'est. Enfin, il y a toujours ces deux côtés. Il y a ceux qui pensent c'est intemporel, ouais. Et il y a ceux qui disent oh c'est bon. C'est has-been. Mais ce qui est sûr, c'est que mes filles qui ont 14 et 16 ans, elles adorent quoi. Ouais. Je vais à Aberaude la semaine prochaine, là, ce week-end, parce que mes filles m'ont dit, je suis allée l'an dernier, elles m'ont dit oh on aurait voulu venir avec toi.
Donc cette année, voilà, j'ai fait avec elles parce que elles ont mis des posters des Beatles dans leur chambre. Je leur ai rien demandé, hein, je veux dire. Elles n'étaient pas obligées. Hein. Non, vraiment pas, je vous assure. Mais c'est vrai que les chansons, ça reste toujours, en tout cas, une bonne entrée en matière pour aller vers une culture. Il y a tellement de choses. Ça va du très simple jusqu'au très compliqué, les paroles, la musique. On trouve toujours quelque chose qu'on peut apprécier. Et on en écoute une autre qu'on va peut-être apprécier. C'est Penny Lane. Penny Lane. C'est un rue, non ? Pardon ? Penny Lane, c'est pas c'est un quartier de Liverpool. Un quartier de Liverpool, voilà. D'où sont originaires nos quatre garçons dans le vent. Absolument. Et là, sur cette chanson, vous trouvez que c'est l'alternance des rythmes qui est impressionnante. Des rythmes ou des modulations, enfin des changements de tonalité qu'il y a. Il y en a 7 dans la chanson. Il y a une trompette baroque. Voilà, c'est des petites choses qui, aujourd'hui, paraissent évidentes parce que mettre une trompette sur de la musique pop, c'est normal. Mais c'est eux qui l'ont inventé, ces choses-là. Hein. Les premières instrumentations classiques, c'est Yesterday. Voilà, ils ont révolutionné la musique pop. Ils ont fait le lien, en quelque sorte, entre le début du XXe siècle, qui est le moment où la musique classique finit par décliner, et un renouveau de la musique pop-rock. La pop était devenue un petit peu mielleuse dans les années 50. Il y avait du rock, mais même Elvis Presley commençait à devenir un petit peu mielleux. Et ils ont fait cette jonction entre musique classique, entre toutes sortes de musiques, parce que George Harrison nous a amené aussi cette mode pour la musique orientale, qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est les premiers à utiliser du sitar sur un instrument en 65. Ils ont fait une espèce de synthèse. C'est peut-être pas les meilleurs, hein, on peut en discuter, c'est peut-être pas toujours les premiers, mais ils ont vraiment porté ça devant le grand public. Quoi. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les Beatles et toutes ces idées reçues qu'on a sur les Beatles, voilà, Eric est intarissable, vous pourrez aller le voir le 21 mars à l'espace Cosmopolis à 18h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir traversé la Manche en notre compagnie. Si vous voulez voir toute la programmation très dense de cette quinzaine qui se déroule non seulement en Loire-Atlantique, mais dans les départements limitrophes, vous allez sur le site internet du CCE, le Centre culturel européen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est la pause dans l'émission et quand c'est la pause, on prend la pause. Youpi. Youpi.